Bonjour, je m'appelle Sylvie Quienas. Je me suis lancée dans l'écriture il y a 4 ans avec une formation de 3 ans à l'EF Écriture. Je viens de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi tu n'as rien dit, grand-père ?» qui est une conversation que l'on pourrait qualifier de philosophique entre un grand-père et son petit-fils sur fond d'archives familiales. J'avais en ma possession les archives d'un oncle de mon père, général en 40, qui a dirigé un camp de prisonniers de 40 à 45, qui s'est suicidé dans son camp le 17 mai 45. Et j'ai voulu, au travers de cette conversation, aborder le thème de la soumission, qui me tient particulièrement à cœur, du devoir de mémoire, de la difficulté de juger. Et j'ai voulu traiter ce sujet non pas comme un énième livre sur la guerre de 40, mais comme un besoin de passation entre un grand-père et son petit-fils, où j'espère qu'il y a beaucoup de tendresse qui passe. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'avais écrit avant « Textes et prétextes », hein, « Une fille à son père », donc pour rendre hommage au discours de mon père. J'ai également écrit un livre de cuisine, « Il y a quoi dans mon frigo ?», du titre éponyme du blog que j'anime depuis 4 ans. Et puis là, je me suis lancée dans 40 instincts d'émotion qui m'ont vraiment été dictés par un hiver très dur au niveau des émotions féminines, ma mère, ma fille, ma sœur, ma co-auteur du livre de cuisine. Et maintenant, je veux en découdre avec un roman qui partira bien évidemment d'une histoire familiale. Pour l'instant, je l'appelle « À la recherche de François », mais on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, j'espère que « Pourquoi tu n'as rien dit, grand-père » vous plaira. Ce livre m'a vraiment apporté énormément au niveau personnel et au niveau écriture. À très vite.